Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau jeu qui a été annoncé à la Jump Festa sous la licence de Black Clover. Et ceci est un jeu mobile. Monde ouvert 3D, action, la totale, tout ce qu'on en souhaite. Et c'est dans le même style que One Piece Fighting Pass. Comme on le voit sur cette photo, j'ai avancé un peu pour pas qu'on ait trop de trucs. Et que je vous bombarde toutes les infos concernant ce jeu. Du coup, le jeu est prévu sur iOS et Android, prévu pour 2022, sans date précise. On regarde le trailer maintenant. J'étais à la recherche du site, mais je l'ai toujours pas trouvé. J'attends toujours qu'ils créent la page Twitter. Normalement, d'ici demain ou dans les prochains jours, ils annonceront tout ça. Sur ce, on démarre. C'est incroyable, hein. C'est un jeu mobile, hein. C'est vraiment un jeu mobile. Enfin, c'est ce que je souhaitais depuis 2 ans, cette licence-là. De ce qu'on m'a dit, je sais pas sûr à 100%, j'ai pas vérifié l'info, les développeurs sont enfin la boîte de développeurs sont occupés de Nanatsu no Taizai Grand Cross. Maintenant, est-ce que derrière ils vont avoir le même système de petit, le contenu, est-ce que il sera aussi complet que celui de Nanatsu? On va voir. Mais là, réellement, je ne suis pas déçu de voir tout ça, les gars. Réellement. On aura ça, on aura Jujutsu Kaisen, Full Metal Alchemist pour l'année prochaine. Bon, Kimetsu no Yaiba, bon, ça on oublie. Mais voilà, on a une énorme qualité. On va s'arrêter à là. On va s'arrêter à là parce qu'après, ça c'est du spoil pour l'anime. Parce que, enfin, même pour l'anime, ils ont mis une scène. Elle n'est même pas encore arrivée dans l'anime. Du coup, on évite de la mettre. Du coup, voilà. C'était une vidéo assez rapide pour vous annoncer le jeu qui arrive par quoi? Par la liste. On va essayer de trouver des infos là de suite. Par la liste. Non. Récent. Ok. Pas de site, rien du tout. Ok, c'est bon. On a le site. On a le site. Prévu pour 2022, je crois. Du coup, normalement, d'ici la semaine prochaine, ils ont environ toutes les news concernant cette licence. Les amis, je vous dis ciao, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Et prenez bien soin de tout le monde. Ciao.